Hey hey hey, cucu mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge. Naturellement, on se rapproche de plus en plus vers la fin de ce challenge. Puisque, un enfant de plus, c'est parti. Hein, laissez l'écumage là. Hein, on a fait plein d'enfants, ils se barrent tous. Il nous en reste plus que deux au domicile, puisque vous avez vu que Lancelot avait quitté la maison et le foyer pour rejoindre tout simplement les rangs de l'armée du roi. C'était les coutumes, comme je vous l'ai dit dans la dernière fois. Logiquement, hein, c'est juste pour l'entraînement et pour combattre s'il y a besoin. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une guerre en ce moment. Enfin bref, ça c'est eux qui gèrent, on va dire. Et j'entends qu'il y a du gling-gling. Qui c'est qui... T'es bien gentille, Nathalie, mais c'est pas ton taf. Elle va se faire une salade du jardin. Peut-être envie de perdre du poids. Bon, ça rêve de prout. Il est quand même presque 10h du matin. Ça va se lever un petit peu, là. Alors, les vieux, qu'est-ce qui se passe-t-il? Oh, filou tout gris, ça fait bizarre. Hein. Ça fait très bizarre, quand même. Puis surtout que, je pense qu'on va malheureusement assister à sa fin. Alors toi, tu vas sûrement pas faire la lessive. Commencez pas à me casser les pieds, je vous le dis. Tu vas aller aux toilettes. Toi, tu vas aller lire, c'est très bien. Oui, j'allais dire, on va sûrement assister à sa fin. Parce que, étant vieux, que là, il n'y a pas de sélection d'héritier, on part pas voir un nouveau foyer. Filou, il risque de mourir, quoi. Sous nos yeux. Ouais. Bon, Nathalie, fous pas le feu à la poêle. Voilà. Dis donc. Il y a du taf encore pour Nathalie. Tu vas sûrement pas prendre ton temps pour prendre le déj. Tu arrêtes tes conneries. Hein. T'as beaucoup de choses à faire avant de te prendre du repos. Donc maintenant, tu te calmes et tu bosses. Voilà, la belle Justine prend son petit déj. Enfin, son déj, son brunch, hein, on va dire ça comme ça. Frittata aux épinards avec Lord Filou. C'est quand même chelou, j'ai jamais bougé la toile avec le mariage avec Isabella. Oh, regardez, il était tout beau, tout fringant. Oh my god. Que le temps passe. Quant à la petite Bertie, elle dort encore. C'est vrai que nous avons normalement... vous avez voté pour le fiancé de notre belle Demelza. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je m'en fous que tu vas y parler aux gens, Jeannette, là. Et je vous jure, Nathalie, moi, je peux plus. Hein. Bref, vous avez sans voter. Parce qu'elle a aussi toute la lessive à faire. Hein, il y a du bordel partout, il y a de la lessive partout. Regardez, voilà, il y a des tas de trucs partout. Donc, faut qu'elle arrête de prendre du temps à rien foutre. Bref, je reviens mes moutons. Demelza, fiancé, avec qui vous avez choisi la semaine dernière? Je vais aller découvrir ça tout de suite. Eh bien, vous avez choisi... ça s'est pas joué à beaucoup, hein. Ça s'est joué à 4 voix, donc c'est très 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 peu d'avance pour Jules le cheveu brun aux yeux noisettes. Hein. Bon, heureusement que c'est la fin du challenge, j'ai pas à subir les enfants aux yeux marrons. parfait, on va pouvoir l'appeler et fiancer notre jolie Demelza. T'as le cœur brisé, mais t'as intérêt à nettoyer. Allez, au boulot, Nathalie! Arrête de perdre du temps! Ouais, c'est ça, plains-toi. Ouais. Ah, il y a une battle de loups. Ils ont un problème, nos renards, ils ont la gueule ouverte, quoi. Mais c'est ça, ça fait peur. Au début, je croyais que c'est parce qu'ils parlaient, mais là, ils se baladent... c'est un peu flippant. Ah bah, regarde, Nathalie, il y a encore du taf pour toi. Bon, on est loin du savoir-faire de Sixtine. Mais elle se met un peu au piano. T'es à quel niveau, déjà? Niveau 4. 4 et demi. Bon, presque la moitié. Tiens, regardez qui vient d'arriver, toujours dans un style vraiment incroyable. Je ne l'ai pas trouvé dans les familles pour le relooker, donc c'est pas grave. Hein. Il arrive, il est fringué comme un as de pique. C'est ignoble. Et c'est Jules, voilà. Ah, c'est un fashion faux pas esthétique. Hein. Et hop, on n'a rien vu. Le voilà relooké. Ouais, on est déjà quand même plus dans l'ambiance. Hein. Oh bah, quel plaisir. Voilà que c'est un mec qui est délicat. Ah, c'est chiant, les délicats. Je viens de voir que Jules était à 13 jours sur 13 de son adolescence, donc il va devenir jeune adulte sous peu. Effectivement, donc on va draguer tout de suite, hein, histoire de faire ce qu'il faut. Ferrer le poisson, comme on dit. Hein. Bon, bah, il a l'air de mordre à l'hameçon. Ah, le chaton, là. Oh là là, ils sont tous les deux en geôleur de malade mental. Ah là là. Est-ce que tu... Non, tu peux pas encore aussi tenir par la main. Bon. Doucement mais sûrement, quoi. Échange amoureux, on est bien parti. Ah bah voilà, on peut offrir une rose. Oh, regardez là comment elle se dandine. Non mais franchement, mais Demelza, c'est pas de votre rang. Tiens, voilà une rose. J'ai pas de dauphinelle, mais c'est tout comme. Hein. Tu fais quoi, Filou? Mais c'est pas vrai. Mais... Attends, mais elle, je lui ai envoyé faire la lessive. Pourquoi elle a pas tout fait la lessive? J'en ai marre, mais Filou, tu lâches cette lessive tout de suite. J'ai dit, tu lâches cette lessive. Qu'est-ce qu'il fout? N'importe quoi.
De Melza, il est où ton gars? Il était là, il est monté à l'escalier, il a disparu. Ah, il était dans le salon! C'est bon, elle l'a retrouvé. Elle est toujours... Bah, ça va, ils sont toujours très chauds les deux, hein. Bon, ils deviennent bons amis. Tu vas lui raconter une petite blague. Oh, premier baiser. Oh, premier baiser. Tu vas l'enlacer un peu, hein. Voilà. C'est romantique, là, sous la pergola dans le jardin. C'est mignon. Oh, c'est mignon tout plein. Arrête avec ta boîte métallique. Oh, c'est lui qui a envoyé un bisou. Oh là 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 là, c'est trop cute. Des bisous et encore des bisous, comme on dit. Et premier baiser. Est-ce que le premier baiser, les enfants, va être accepté? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Eh oui, c'est super califragilix expiadilidocious. Hein, je l'ai pas bien dit, mais vous comprenez quand même. J'ai la coupable qui me piège les toilettes. C'est Justine, je vous jure. Je lui démontais sa race aussi, elle. Ah, j'ai plus de patience, moi, les enfants. J'en ai plus. Oui, il veut bien devenir son petit ami. C'est adorable. Ils sont donc maintenant... Bah, pas encore fiancés, hein, mais... Attendez. Bah, écoute, on va échanger les anneaux de suite. Tant qu'à faire. Ah là là, c'est romantique avec le petit violon au fond, là. Et la fontaine. Allez, on va pas se faire prier. L'anneau d'amour, l'anneau de promesse... D'un mariage prospère et adorable. Mais il joue bien l'animal, hein ? C'est plutôt pas mal. Elle tient le coup, la Nathalie, parce que, bon, elle est crevée, hein. Elle va s'évanouir dans 29 minutes. Alors, discute un peu avec ta pote, si tu veux, mais après, tu iras te coucher. Tu as l'autorisation. Il est minuit et demi, je pense que... Tu peux. Bon, bah, elle m'a quand même piégé un toilette. Hein. Merci la gueuse. Oh là là. Oh là là. Elle a beau pendiculer la Nathalie. Elle tombe quand même de sommeil. Tiens, tiens. Jules se joint à la maison. Donc, bah, j'ai déjà fait connaissance avec Justine. C'est Philou qui va discuter avec son futur gendre. Faire sa connaissance. Voilà. C'est le petit matin, déjà 8 heures passées. De Melza, bah, en cours en fait. Ouais, on est lundi. Et ce pauvre Philibert, Lord Philou, il est obligé de se taper le poisson de la veille parce que Nathalie ne s'est pas levée. Nathalie qui est partie se coucher tôt, qui n'a pas réussi à dormir ce qu'il fallait dormir. Et la pauvre petite Bertie qui descend les escaliers. Personne ne pense à elle pour lui donner à manger la chouchette. En plus, elle a besoin de divertissement. Et elle grandit dans 0 jours. Donc peut-être aujourd'hui. Mais la pauvre, elle va devenir... je pense que je vais la mettre à la charge de Demelza. Parce que Demelza, c'est entre guillemets la dernière, vu que son frère est parti, enfin machin. Parce qu'elle va perdre ses parents, hein. Et elle sera pas encore en âge d'être dans son foyer, quoi. Bref, ça craint. Un peu de broderie pour Justine. Oh, et c'est l'anniversaire de Bertie, ça y est, elle va bientôt... Bah, pétiller, hein, clignoter, oh, voilà, toujours bugué. Quand Nathalie aura du temps, bah là, elle fout rien. Ah si, elle doit se laver. Ah, oui. Ben, elle va aller prendre son bain et après, elle préparera le gâteau. Et les factures viennent de tomber. 5000 simflouz. Comment ça, 5000 simflouz? Mais on n'avait pas autant de... Hein? C'était pas autant quand même la dernière fois. C'est pas grave, tu vas payer tes factures. Et puis, bah, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas vendu non plus nos toiles et puis que je l'ai pas fait hier, je pense qu'on va pouvoir les jarter. Hein? Et je pense qu'on en a quelques-unes. Ouais, on en a 21 là. Oh là là. 21, on est déjà à 20 000. Grande toile classique. Petite toile impressionniste. Ok, ça nous fait 25 000. Bah allons-y, allons-y. Vendons tout, voilà. Ça fera moins mal. On est à 43 000. Ça va. Ah, enfin, Nathalie, travaille un peu et va s'occuper de la petite. Ah, Demelza rentre de l'école avec un projet scolaire. Et elle a quand même une moyenne de B. Si c'est pas beau. Ah oui, je leur ai demandé de devenir meilleurs amis, Philibert et Justine. C'est chose faite. Et la petite Bertie est déjà en train de clignoter. Elle fait quoi, elle, déjà? Ah oui, elle prépare, elle améliore les toilettes. Et après, elle va faire le gâtal. Alléluia, le gâteau est prêt. Philou, tu vas pouvoir inviter les invités pour les anniversaires. Bon, ça, il pleut comme vache qui pisse. On espère que tout va bien se passer pour eux sur les transports. Les invitations sont lancées. Est-ce que nos invités vont réussir à braver l'orage? Que nenni, ils sont là. Oh là, ah, oh, oh. Oh ben, c'est le pays des nudistes aujourd'hui.
Il y a du beau monde, il y a du beau monde. Et regardez qui est là. C'est la jolie Sixtine et elle a un petit boubou dans le bidou. Oh là 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 là. Oh là là. Mais pourquoi ils rêvent tous dehors, les invités? Ils vont se faire griller sur place. C'est n'importe quoi, il y a personne qui veut rentrer. Oh là là. Tu te fous de ma gueule. Qui c'est qui a tapé dans le gâteau? Mais c'est infernal, j'en ai marre des Sims qui tapent dans le gâteau à chaque fois. Mais c'est qui bouffe le gâteau que je le démonte? Comme par hasard, ça va être personne. Ouais. Demelza, c'est pas une tenue pour recevoir les invités. Ah bah oui, regardez qui c'est qui prend du gâteau là, sans la permission, c'est Guenièvre. Bah voyons. Et puis Angelo, bah vas-y. Mais allez-y, hein, c'est vrai. Regardez le gâteau, y a plus rien. Il va rester que les bougies en l'air maintenant. Non mais la bu. Bon anniversaire Bertille sur le gâteau dont il reste qu'une demi main. Deux parts, une part. C'est vraiment pathétique quoi. Je sais pas si ça va marcher, si elle va grandir. On va croiser les doigts. Oui, elle grandit. Bon anniversaire Bertillette, la petite dernière. Bon bah visage d'enfant, j'ai envie de dire classico-classique. Effectivement, bon, bof, hein. Voilà. Alors, elle aura la faculté. Oui, alors non. Elle aura en aspiration celle-là, voilà, artistique, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, crasseuse. Ouais, allez hop, crasseuse. En même temps, en vivant dans la crasse que notre jolie Nathalie nous fait, tu m'étonnes qu'elle est cracra. Putain, mais Nathalie, elle est tombée par terre. Non, mais c'est la faute à Voldemort. Tu vas me prendre un bout de gâteau? C'est la faute sûrement... Ah, Rousseau, et vous allez me dire, mais pourquoi t'as refait un gâteau? Parce que c'est aussi l'anniversaire de Justine. Ah non, mais là, tout le monde vieillit, tout le monde va claquer, c'est terrible. On est dans un moment assez terrible. Et Justine est déjà en train de clignoter, donc c'est perfect. Elle va pouvoir souffler ses bougies. OMG, quoi. Et c'est entouré de jeunes freluquets qui assureront des générations à venir, dont sa propre morveuse. Que Justine devient une vieille doche. Et puis pourront refaire crac-crac d'ailleurs les vieux là. Attention, elle est là. Elle s'est... Bah... Où est-ce que j'ai de la place pour tourner moi, hein? Pour faire des paillettes, hein? Ah, voilà, me voilà vieille comme une vieille peau. Une vieille pomme fripée. C'est moi, Justine. Bah bon anniversaire quand même. J'aime tellement quand ça fourmille de Sims comme ça. C'est la famille de la famille. On commence avec un ou deux Sims et puis ça termine en tante et cousin et extension des deux côtés. Tout ça, c'est un truc de fou. Ah, l'anniversaire est terminé. Tout le monde se casse évidemment. Ah bah à la prochaine, hein, ou peut-être pas. En tout cas, c'était cool. Puis... voir la belle Sixtine, elle est magnifique. Elle a un joli petit bidou et j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Enfin, je veux dire, savoir ce qu'il était dedans. Hein. Je n'irai pas voir directement. Hein. Alors, Angelo, est-ce que t'as toujours envie de draguer Justine ou pas, là? Tu vois bien qu'elle est vieille, maintenant. Ta femme est quand même beaucoup plus mignonne. Oh, il va devenir papy. Trop cute. Je pense que les deux dernières invitées, parmi tout ce monde, c'est un mari et sa femme. Sixtine et Angelo. Oh là là, il y a déjà 8 heures. Elle a même pas le temps d'aller faire pipi que Demelza. Elle doit déjà aller en cours, la pauvre. Quel look, ma petite Bertille. A tombé. Et alors que Bertille prend son premier bain solo, toute seule, on a encore un problème de lessive. Ça ne va jamais s'arrêter. Ah ben non, je sais. C'est parce que mademoiselle, elle est cracra. Et comme elle est cracra, eh ben... elle met pas ses fringues dans le panier à linge. Eh oui. C'est elle qui est passée par là. Je lui ai donné la chambre d'Azenor, finalement. Et bah, fait de la merde. Allez, Marianne, c'est parti. L'aide au devoir, parce que franchement, elle a un travail très très light, maintenant. Je pense même qu'à l'adolescence, si on arrive jusqu'à l'adolescence de la petite, j'ai des doutes, je vais pas vous le cacher. Marianne prendra la poudre d'escampette, comme eux-mêmes. On n'a plus besoin d'elle, maintenant. Oh bah, elle a déjà terminé ses devoirs. Allez, on se donne un peu de baume au cœur, un petit concerto made in Lord Philibert. Il joue bien. Hein. Ah bah il est niveau 6, hein. C'est déjà top, hein. C'est mieux que ce qu'on a déjà enduré. Et qui c'est qui va encore me faire jeter 100 simflous par la fenêtre? C'est Justine. Et c'est un niveau 7 pour Philibert. Allez. Demelza va se mettre au piano, tu vas arrêter le violon, histoire que ça fasse pas trop cacophonique. Oh, elle joue bien! C'est mignon!
Bon, elle a pas un très gros niveau en plus, il me semble. J'avais regardé. Ouais, moi, tout ça, toutes les semaines, j'oublie. Hein. Niveau 4. Oh, c'est pas mal. Je ferais pas mieux. Hein. Tiens, 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 regardez qui passe nous rendre visite. C'est Sixtine. Avec toujours le gros bidou. Ah, viens, viens accueillir donc ta petite fille chérie. Hein? Oh non, elle me refait une toile. Classique, ça va. Nathalie, t'attends que le temps passe? T'as du taf, hein? Toujours. T'as toujours un truc sale quelque part, Nathalie. Et ben voilà, Nathalie, à faire n'importe quoi. T'es partie dormir alors qu'il y a le frigo à réparer. Il y a Filou qui va vouloir cuisiner, ça va pas du tout. Oh là 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 là. Mais non, Filou, va, tant pis, hein? Bah, ça va, tu peux attendre un peu, non? Oh là là. Ouais, elle est vraiment trop mimes de Melza. Elle fait honneur au personnage qui m'a inspiré son prénom, évidemment. T'as quel âge tu vas... Ah ! Oh, bah dans l'épisode prochain, on va passer à l'étape supérieure, mariage de Demelza et de Jules. Voili voilou. Et d'ailleurs, est-ce qu'il est devenu jeune adulte, effectivement ? Elle va devenir jeune adulte, ils vont se fiancer, ils vont se marier. Tout ça, quoi. Là, on touche vraiment à la fin du challenge. Je sais que vous êtes déçus, je sais que vous êtes tristes à cette idée, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et dites-vous qu'il y en aura un autre qui arrivera. Peut-être pas historique, mais il y a encore des petites choses qui arrivent sur la chaîne. Justine qui se met à découvrir le violon, parce que je crois qu'elle est pas très très douée. Ah oui, niveau 3 quand même. Ça a l'air de captiver la foule. Non, bah allez vous coucher quand même. Là, je pense qu'il est l'heure. Et que j'ai pas envie de savoir ce qui allait vous arriver. Et les vieux ! Mais les vieux, ils vont aller faire crac-crac aussi, dis donc. Mais moi, je veux faire l'amour ! Bah, ils sont vieux maintenant, ils peuvent plus se reproduire. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Oh, ils sont mignons. Oh, trop mignons. Bon, ça sent le pli, hein. Et c'est un peu glauque, hein, mais... Ils s'aiment, donc pourquoi pas. Et c'est sur ce crac-crac... Pleine de vieillesse, de cheveux blancs et d'odeur de vieux. Que moi je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Je sais pas encore comment je vais finir la série, mais on est vraiment très très proche hein, maintenant. En tout cas, je vous remercie d'être toujours là, toujours fidèle pour ce 112e épisode. Et puis je vous fais des bisous. À très bientôt. Ciao ciao.